La levée du drapeau me rappelle la notion de civisme et qu'est-ce qu'on entend par civisme ? L'instruction civique et pédagogique fera son grand retour dans le programme académique des élèves du secondaire dès la rentrée scolaire 2020-2021. C'est l'une des grandes annonces faites par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Carmélia Tnoutoum Leclercq, lors de la levée des couleurs au lycée national Léon Bas, dans le cadre de la journée nationale du drapeau, célébrée ce 9 août. Nous allons procéder systématiquement à la levée des couleurs dans les établissements. Donc ce ne sera pas que lors de la journée nationale du drapeau, mais dans les établissements, les enfants vont lever les couleurs et nous allons entendre retentir l'hymne national à Concorde de notre chère patrie, le Gabon. Outre la levée de couleurs, Carmélia Tnoutoum Leclercq a fait le tour du propriétaire pour voir dans quelles conditions ses élèves en classe terminale se préparent pour l'examen du baccalauréat qui commence dans quelques jours seulement. Je suis allée rencontrer les élèves dans les salles de classe pour les encourager, pour leur souhaiter bonne chance. Et ensuite, je suis allée rencontrer le secrétariat du bac parce qu'il y a des notions de rigueur pour qu'il n'y ait aucune fuite et que les choses se passent dans des très bonnes conditions. Depuis son instauration en 2009 par le président Ali Bongo Ondimba, c'est la première fois que les élèves célèbrent la journée du drapeau dans leur environnement scolaire. Car comparativement aux années antérieures, le mois d'août correspondant à la période des vacances scolaires a été retenu cette année pour la tenue du baccalauréat en raison de la pandémie du coronavirus.